Sup les gars, back to the new vidéo. Aujourd'hui, on va parler de 6ix9ine, mais plus précisément sa copine. Donc bon, exceptionnellement, aujourd'hui, vous verrez pas ma tête. Donc qu'est-ce qu'elle a fait, sa copine? Elle s'est tatoué le visage de 6ix9ine sur son corps. Donc là, vous allez me dire en commentaire que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est pour le clout, c'est-à-dire pour le buzz, etc. ou c'est parce que elle aime vraiment 6ix9ine lui manque. Donc avant de dire ton avis dans les commentaires, si elle est là pour le buzz ou pas, je vais te dire ce qu'elle a fait. Donc là, 6ix9ine, ça fait plus de 6 mois qu'il est en prison. Elle reste toujours là, malgré qu'il soit enfermé. Tandis que l'ex de 6ix9ine, sa baby mama, accuse 6ix9ine de violence, même de viol, s'affiche dans les bras avec des anciens associés de 6ix9ine. Elle a même essayé de gratter de la thune à Blueface pour le son Tatiana. Bon, je vous avais expliqué dans une vidéo. Donc là, je vous ai parlé de son ex, mais sa copine actuelle, elle va même voir 6ix9ine en prison. Donc est-ce qu'elle est là pour le clout, le buzz, l'argent, ou bien elle aime vraiment 6ix9ine? Parce qu'un homme qui se fait arrêter et qui risque 40 ans de prison, c'est pas rien, les gars. Ça veut dire que si ta femme, elle reste auprès de toi, c'est qu'elle t'aime vraiment, qu'elle va pas voir ailleurs, qu'elle va pas dans les bras d'un autre homme. Ça veut dire que pour moi, c'est la plus grosse preuve d'amour en fait. Bon, à part si elle va voir des gars derrière et tout, mais je pense pas. Et là, récemment, comme je te l'ai dit en début de vidéo, sa copine, elle s'est tatouée le visage de 6ix9ine sur son corps. Et je pense qu'elle a fait ça pour les 23 ans de 6ix9ine parce que c'est aujourd'hui son anniversaire, les gars. Donc, elle s'était déjà tatouée 6ix9ine, donc 69 sur son corps, mais là, elle a fait vraiment la tête de 6ix9ine. De toute façon, je vous montrerai une photo. Donc, regardez la photo. Donc, on peut voir à gauche 69, donc le premier tatouage qu'elle a fait, et son nouveau tatouage à droite, donc le visage de 6ix9ine. Et comme elle a dit, ouais, j'avoue, il ressemble beaucoup à Chris Brown, son tatouage, mais c'est clairement 6ix9ine. Avec le 69 sur le front, c'est pour lui, quoi. Elle a même mis des vidéos là où on voit bien le tatouage, donc si vous voulez vraiment bien voir comme il faut, faut aller sur son compte. En tout cas, elle a 715 000 abonnés, god damn. Putain, elle en a plein des abonnés, hein. Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est pour les clout ou c'est parce qu'elle est vraiment amoureuse? Donc moi, franchement, je vais te dire mon avis. C'est difficile à croire qu'elle est là pour le clout, tu vois. Parce qu'elle s'est tatouée. Bon, c'est pas vraiment une preuve de se tatouer quelqu'un. Ça se trouve, elle a fait un faux genre. Tu vois que tu peux retirer le tatouage genre 3 mois, genre c'est pas vraiment un vrai tatouage. Mais elle va voir 6ix9ine en prison. Et ça, pour moi, c'est une grosse preuve d'amour. J'ai du mal à me dire qu'elle est là pour le clout et tout, tu vois. Parce qu'elle a quand même beaucoup d'abonnés. Ça se trouve, elle reçoit de l'argent de 6ix9ine et tout. Franchement, je sais pas. Moi, franchement, je dis à voir avec le temps. Si l'année prochaine, elle est toujours là, elle va voir 6ix9ine en prison et tout. Là, franchement, c'est clairement de l'amour. C'est en mode, elle va pas le lâcher et tout. Mais si elle va le voir ailleurs, genre dans 2-3 mois. Voilà, tu vois, je vais me dire, c'est voilà, c'est le clout, tu vois, elle était là pour le buzz ou l'argent. Moi, j'attends de voir vos commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. N'oublie pas ton pouce bleu. Comme d'habitude, s'il y a une news intéressante qui sort sur 6ix9ine, je vous tiendrai au courant. Bref, à la prochaine. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule. All my dick, she like a Lego, never Lego. Him, I stuck up on me, so I call the Velcro. Till I need my dead rope and deho. Hit my metro, if it's about the pencil, like it's go Diego. Make it right on schedule. Got a pistol on me with the dick extender. Bitches in the back, just like a fucking echo. Ayy, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.